Je m'appelle Vincent Arnaud. Je suis le seul rescapé du crash du Londres-Seattle du 5 septembre. L'avion s'est écrasé quelque part, dans le Grand Nord canadien. J'attends désespérément du secours depuis des jours. Et pour l'instant, je survis. Vincent Arnaud, 49. Ça a caillé sec ce matin, je suis ballot. Franchement, c'est mordant. J'ai pas vu de traces des loups. Par contre, hier je les ai bien vus hein, quand on a récupéré le lapin. Du coup, faudra être prudent. Parce qu'apparemment ils sont attirés par l'odeur des lapins, parce que je peux facilement imaginer. Parce que l'air de rien eux aussi doivent bien crever de faim. Bon, il fait vraiment très froid, donc je vais simplement récupérer. Oh la vache! Ok, ce coup là c'était carrément Noël. Avant de récupérer les lapins, je vais récupérer tous les collets, les replacer. Et ensuite, je prendrai la multitude de lapins qu'on a récupéré et celui-là est foutu. Et je partirai vers la maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lapins. C'est inespéré. Bon, allez. Si je compte bien. De nous rester exactement 8 collets qui sont encore en état. Ok. C'est un peu la boucherie quand même. Bref, allez. Je vais récupérer tout ça et je me précipite vers la maison avant que les voisins me sentent. J'imagine qu'il devrait pas tarder de toute façon. Oh la vache. Bon, j'arrive pas à les voir d'ici, ils doivent être assez loin. Si j'en vois un là-bas. Je sais pas si c'est dans ma direction qui va ou pas. Non, ça a l'air. Non, ça va être efficace. Vers là où les lapins étaient, mais il me suit pas et c'est déjà. C'est un peu l'essentiel, on va dire. Ils étaient deux hier, cela dit, ça veut dire qu'il en manque un des deux. Bref, je vais poser les lapins, j'ai énormément de lapins et de viande de lapins du coup. Oh la vache! Ok, on te fasse. Ah putain, bizarre! Ok, ça c'est pas cadeau! Quelques jours qu'on se coupait. Là on est droit et bien comme tu. Allez. C'est clair. Oh. Ah j'aurais dû sentir venir. Oh putain. Bon. Je vais poser tous les lapins qu'on a ramassés. Je vais m'occuper ce soir. J'ai cassé la dernière flèche. C'était pas en très bon état pour en refaire une. Allez. Allez. Je vais me concentrer sur le manteau en peau de loup. Et ensuite j'utiliserai ça tout le reste de la journée pour
de la viande de lapin qui traîne. Allez, je coupe la vidéo. Vincent Arnaud, jour 49. Deuxième entrée. Ça y est, il est fini. Regardez comme il est beau. Alors je le porte pas encore parce que je l'ai essayé, il me va. Mais pour le coup, l'intérieur il tiendrait presque chaud alors que la température à l'intérieur est pas dingue. Et pas dingue du tout. Je suis en train de faire cuire tout le lapin que j'ai. J'ai encore du lapin à dépecer, pardon. Donc voilà. Je sais pas quelle heure il est. Il doit pas être si tard que ça. Du coup, ça me met un peu en avance pour tout ce qui concerne la cuisine, et c'est tant mieux. J'ai quand même plusieurs heures de cuisine là, a priori, qui m'attendent. Donc voilà. Je vais continuer comme ça, cuire tout ce que je peux. Je ne porterai pas beaucoup, mais comme évoqué précédemment, je vais essayer d'éviter la viande de carnivore jusqu'à nouvel ordre. Et le fait que j'ai pas mal de lapins devrait m'y aider. Dès que j'aurai fini avec ça, je vais préparer mon pack de départ pour demain. Et puis on verra comment les choses se présentent. Allez, je vais couper la vidéo ici. Je pense que pas grand chose à voir pour l'instant, sinon me regarder cuisiner. Mais regardez quand même, il est pas magnifique. Il est magnifique. Allez, je coupe la vidéo. Ok, Vincent Arnaud. Jour 49, troisième entrée. J'ai fini de cuire toute la viande de lapin, j'ai pas fini de la dépecer par contre. Je vais faire ça dans la nuit, je pense, même si je vais sans doute pas trop tarder à aller me coucher. Il reste pas énormément de temps au feu, donc voilà. Je pense que je m'attellerai au lapin dès que tout ça est fini, mais en même temps, l'eau qui est en train de bouillir a plus vraiment besoin de moi. Juste rajouter un petit peu, tiens, un petit bâton. Voilà. On va rajouter de quoi finir cette neige fondue et peut-être un petit peu plus. Bref, c'était une journée très très productive aujourd'hui. Très très productive. Je suis particulièrement content d'avoir enfin ce beau manteau en peau de loup. Et je vais pas préparer mes affaires maintenant, parce qu'il est déjà tard. Je vais me contenter de m'occuper du lapin et ensuite je verrai ce que je fais. Je coupe la vidéo, je vous retrouverai au moment du coucher.